La plupart du temps, les interventions de la petite clarinette à l'orchestre sont très courtes et plutôt acrobatiques. Donc, il est très important d'avoir un instrument dans lequel on a une confiance absolue. Quand on a ouvert le dossier de ce qui serait le futur de la clarinette mi bémol chez Selmer, pour nous, ça a été évident de repartir des qualités de la mi bémol récital. Parce que la perce et le diamètre extérieur de la mi bémol, c'est ce qui donne confiance dans l'instrument. Et puis après, avec nos échanges avec de nombreux musiciens, on a pu aller plus loin dans la définition de l'instrument. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réajusté la longueur de l'instrument pour réhomogénéiser le diapason. Et ensuite, on a travaillé sur certaines cheminées, notamment dans le grave et dans le milieu de l'instrument, là où la justesse pouvait être perfectible. It's beautifully engineered. It's got wonderful intonation. The sound is mellow but powerful. Il y a cette brillance et en même temps il y a cette couleur particulière et ce timbre qui fait qu'on reste sur quelque chose de boisé. Dès que j'ai joué cet instrument, j'ai eu le plaisir de retrouver une douceur dans le grave et exactement la même douceur dans les aigus. On a tamponné la clarinette entièrement en liège, sauf sur les quatre graves qui restent en cuir, parce que ça apporte de la précision, une facilité d'émission et ça homogénéise l'instrument. Grâce au tamponnage en liège, on a une émission très facile, très directe, un son très défini. Et grâce à la perce, qui est la même que celle de la récitale, on garde en même temps ce son rond et chaleureux. Elle est tellement généreuse et à la fois facile, facile d'émission et avec une très très belle qualité de son. Daje mi taką wolność i przestrzeń do grania każdej muzyki i kreowania tego, co chcę na scenie. The freedom you get from Muse is just the most amazing thing for me. Sur la mi bémol Muse, on a modifié les spatules petit doigt main gauche afin d'améliorer l'ergonomie tout en s'inspirant du clétage si bémol et la Muse. Ensuite, on a fiabilisé le fonctionnement des bras en ajoutant des pitons afin de fiabiliser la réponse mécanique. The first thing I felt about the Muse was that it feels like a clarinet. Very often E-flat clarinets can feel a distant relative of the clarinet, and this Muse doesn't. Ergonomiquement, cet instrument nous permet quand même si on a des grands doigts, des gros doigts, d'avoir une dextérité possible avec ce clétage nouveau. Muse, E-flat clarinet이 가진 유니크한 음색과 기교를 표현하는 데 있어서 I started to play the recital, and I think that was already the Rolls Royce of the instruments. And then the Muse is getting like a Rolls Royce 2.0, so it's adding a dimension. Really, absolutely nice.